Salut, ouais. Hello. Comment ça va? Super. Ça fait plaisir. Ouais. J'avais une bonne petite bouteille à la température impeccable. On va la boire tout de suite pour m'en dire des nouvelles. Oh, t'as laissé pousser la barbe. Un petit peu. Oh, c'est joli. Ça fait un peu hipster. Ouais. Et Sophie, le truc que t'as sur la tête, c'est quoi là? Tu fais le ménage ou... T'as des poux? Non, je me suis convertie. À l'islam. Moi, c'est drôle, non, c'est pas drôle, non. Non, j'ai rencontré Dieu et il m'a apporté la paix et la sérénité. Voilà. Ah. C'est tout. Mmh. Bon, allez, on va pas en parler toute la nuit, hein. Non, je vais vous mettre à table. Ah bah, je meurs de faim. Ah, oh, ça fait comme un sacré bout de temps qu'on s'est pas vu, hein. Ah, c'est sûr. Bon, alors, ces vacances? Ah, oui. Alors, bah, les vacances, j'ai... Enfin, pardon, mais on est quand même un peu surpris. Tu sais, t'as jamais cru en quoi que ce soit, hein? C'est vrai, t'as toujours été... Attends, toi aussi? Ah bah oui, tant qu'à faire. Et puis, ça faisait plaisir à Fatima. Fatima? Ah bah oui, ah bah pardon, mais on a changé nos prénoms, bien sûr. On a des prénoms musulmans maintenant. Enfin, Mohamed Ali, le boxeur, à l'origine, il s'appelait pas Mohamed Ali. Hein. Et moi, Didier, ben, c'est fini. Maintenant, c'est Nour ed-Din. Ah. Ça veut dire la lumière de la foi. C'est joli, très. Alors, ces vacances. Alors, oui, ces vacances. Alors, non, juste une toute petite question avant. Vous dites que vous avez rencontré Dieu. Bon, mais... Vous l'avez rencontré où? Vous savez que cet été, on a accueilli un migrant ici. Ben oui, comme on a de la place. Et Farouk, il s'appelle Farouk, et ben il venait de Syrie. Ben alors au début, on voulait pas trop manger de porc devant lui, quoi. Non, moi je mettais pas de vêtements courts, pas de maquillage. Tout ça pour pas le choquer, quoi. Hein. Par respect pour sa culture, quoi. Et alors? Et Farouk, et ben... En fait, on a appris qu'il était imam. Ouais. Ah. Il a commencé à nous parler de sa religion. On a écouté. Et on peut dire que... Ça a été... une révélation. Bah oui. Et Farouk, il est où, là? Il est ici. Non. Il est en garde à vue. Oh merde. Il a été arrêté parce qu'il aurait soi-disant commis des actes de torture en Syrie. Non. Il aurait jeté des homosexuels dans le vide. Une dizaine. Complot. N'importe quoi. Enfin, comme d'habitude, quoi, par les juifs, ouais. Enfin, heureusement, comme ça s'est passé en Syrie, la jurisprudence française ne peut pas intervenir là-dessus et il sera bientôt libéré. Heureusement. Et j'ai pas vu Daphné, elle est pas là? Non. Elle est où? Elle a rencontré Dieu peut-être aussi, non? C'est une longue histoire, Daphné. Farouk est tombé tout de suite amoureux de notre fille. Il a voulu se marier avec elle, tout de suite. À se marier carrément? Oui, oui. Elle a que 16 ans. Mais oui, c'était un superbe couple. Farouk, 64 ans, oui. Et Daphné, 16. Alors, il a voulu savoir si elle est encore vierge, hein, avant le mariage. C'est normal. Je l'ai emmenée chez le gynéco, hein. Et là, on a appris qu'elle avait forniqué. Elle était impure. Du coup, on l'a chassée de la maison. Oh non. Elle est chez sa grand-mère maintenant. C'est quoi ce bruit? Bah, c'est le mouton. Mouton? Bah, c'est notre repas de ce soir. Mais il est vivant. Ah bah oui. Mais oui, ouais. Comme ça on sait que c'est vraiment halal. Oui, enfin... C'est parce que bon, dans les boucherons, c'est jamais, hein, halal, pas halal, on sait pas. Là oui. Au moins, c'est frais et halal. Et je vais l'égorger. Non,
Non, c'est pas la peine, on a pas super faim, hein. Oui, puis on se contentera des légumes, mais il y a des légumes. Oui, il y a des légumes, mais c'est dommage. Nickel. Non, les légumes, c'est super. Ah ouais. Oui, t'embête pas, les légumes, c'est très bien. Revenons en vacances. Vous étiez où pendant ces vacances? Alors, où? Alors, en Sicile. Oui. À Cefalù. C'est beau, la Sicile. Ah, nous sommes restés là-bas 6 siècles. Nous, les musulmans. Ah oui, avant de se faire chasser par ces enculés de croisés. Fatima. Pardon. Une bonne musulmane ne parle pas comme ça. Oui. Je vais devoir le faire. Bah oui. Mais tu vas faire quoi, là? Il va me taper! Non, mais... Je suis obligée, c'est mon devoir. Et toi, tu vas te laisser faire? Mais oui, je le mérite! Quelque chose, écoute! Bismillah! C'est tout, pas plus. Bon, et nous alors, vous ne nous demandez pas où est-ce qu'on est parti? Oui. Si. Qui, où? Et ben, en Afghanistan. Oui. Bien sûr. Avec Farouk. C'était bien. C'était tellement bien. J'ai appris à me servir d'une kalachnikov. Moi aussi. Et je sais fabriquer des bombes maintenant. Et c'est tout simple à faire. C'est tout con. Avec des produits qu'on trouve dans le commerce, on vend libre, hein? Oui. Mais parce que vous avez l'intention de vous faire exploser? 70 vierges qui m'attendent si je le fais. Ça donne à réfléchir quand même, non? Je peux les faire pipi? Oui, bien sûr, tu sais où c'est. Et du coup, Fatima, c'est quoi qui t'attend, toi? C'est 70 boys band ou... Tu te moques de nous, c'est ça? Ah non. Tu serais pas un peu islamophobe? Oh non. Alors, non, vraiment, pas du... Non, je vous assure que non. Je plaisantais, en fait. C'était pas méchant, c'était pour détendre l'atmosphère. Dès qu'on vous a dit qu'on était devenus musulmans, vous nous avez regardés bizarrement. On se dit de gauche, hein, pour le vivre ensemble, et puis en fait, tout ça, c'est que... Mais non, je t'assure, Fatima, j'ai pas du tout cherché à... Parce que le racisme, ça commence comme ça, hein. Non. Une petite blagounette, et ça se termine dans les larmes et dans le sang, hein. Tous les deux, vous le savez, ça. Oui. Parce que le pire dans tout ça... Oui, le pire. Je suis d'accord avec toi, le oui, pire. Le pire. Vous avez cru toutes ces conneries relayées là par l'extrême droite là, toutes les conneries qu'on peut entendre. Vous avez tout gobé, tout, ils ont tout gobé. Oh, c'est pas vrai. Attends, le mouton, c'était quoi? Le mouton, regarde, c'est la pluie. Mais attends, putain, je m'en fais pas, c'est j'ai plus de batterie, donne-moi ton téléphone, s'il te plaît. Et la ceinture, c'est... Ah bah, de la LED. Non, attends. Dépêche-toi, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone. Attends, je trouve rien dans mon sac. On y a cru un tout petit peu au début, mais après plus du tout. C'était énorme, quoi. Non mais vraiment, c'était pour la blague, s'il te plaît, donne-moi ton téléphone. On n'est pas aussi con que ça, quoi. Non, dépêche-toi, s'il te plaît. Dépêche-toi. Voilà. Police. Personne ne bouge. Personne. Mais quel con.